Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale. On va pas se faire des attaques aujourd'hui, mais on va essayer un truc. On va essayer de mettre un maximum de pierres tombales. Alors pour ça, on aura besoin du miroir. On aura besoin aussi du sort de rage, histoire de faire spawner un max les, tu vois, les squelettes et tout, tu vois. Faire, tu vois, hop là, la cadence va être augmentée à mort. Et puis on va faire le tout dans le camp d'entraînement. Donc ça pourrait être assez marrant. Après on essaiera avec le canon, avec le mortier, pourquoi pas. Enfin on verra bien si on a le temps. Pourquoi pas, je referai aussi une autre vidéo sur le sujet. Ça pourrait être marrant, ça pourrait être marrant. Donc du coup moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire à tout de suite, c'est parti. Ouais les gars, on va essayer quand même de faire un maximum de... Tu vois, un maximum de... Voilà quoi. On va essayer de mettre ça, un maximum de machin. Bah, oh mais ce dragon il me saoule hein. Alors le mec il a flèche, il a dragon, il a tout pour te faire chier quoi. Et il l'utilise hein, y a pas de soucis ça, il l'utilise hein. Il envoie tes flèches et tout pour détruire tes bâtiments, y a pas de soucis. Ah là lui il a pas de pitié lui, tu vois. Boum. Donc c'est pour ça il faut arriver à gérer et tout, mais c'est trop chaud quoi. C'est un truc de malade. Allez hop, on va mettre du sort de rage là. En espérant que ça envoie du lourd. Eh, ça donne quoi là? Tu vois, ça fait spawner un petit peu plus vite les machins et tout, c'est pas mal ça. Oh putain, ça spawn. Allez, on va essayer quand même de mettre pas mal de machins là. Donc hop, on va mettre une pierre tombale, c'est parti. On remet notre pierre tombale, hop là. On va essayer de mettre un petit sort de rage juste là. Nickel ou pas? Allez, nickel, on se fait spawner un max. Regardez-moi ça, tout ce qu'on met. Je vous dis, c'est nous qui allons gagner. On va gagner, on va y arriver. Faut juste qu'on se fasse pas détruire par ce dragon là. Il n'y aurait pas le dragon, il n'y aurait pas les flèches, tu vois. Ça serait déjà un peu moins chiant. Mais bon, malheureusement, on peut pas vraiment faire autrement. Regardez-moi tout ce qu'on met. Oh là là, c'est hallucinant quand même ce délire. Mais bon, le problème, c'est qu'on peut pas choisir les troupes qu'il a, tu vois. Et ça, c'est un peu énervant dans le truc. Et ça devrait être une possibilité de pouvoir choisir les troupes. Qu'a justement le camp d'entraînement, ça nous permettrait de pouvoir vraiment faire mieux, tu vois, pouvoir mieux nous entraîner, tu vois, parce qu'on pourrait s'entraîner sur des troupes où on a besoin de s'entraîner, enfin sur des troupes adverses, mais bon, c'est un peu dommage. Et donc du coup, quand même jusque là, on a fait quand même un petit truc, tu vois, ça envoie du lourd quand même, mais bon, c'est pas énorme avec ces pierres tombales parce qu'elles sont pas très résistantes et lui qui a les flèches, enfin c'est énervant. Enfin bon, en attendant, on va essayer quand même avec autre chose. Donc je vais voir ce que je vais faire et puis voilà. Ouais les gars, donc là on est avec notre cher, je sais plus comment ça s'appelle, mais regardez-moi ça, on va mettre ça là, vous allez voir, je vais vous montrer un petit truc, comme ça, hop là, on attend, on met le sort de rage, et là les gars on va se faire plaisir, mais alors là je peux vous le dire, ça va être génial, regardez-moi ça, et les doubles comme ça, boum boum boum, tu vois, ça va faire un truc de fou. Donc là bon ça va, on est au début. C'est vrai que là il est en train de me mettre cher là apparemment, mais bon c'est pas très grave. Hop là on profite, on met encore plus, on peut pas. Oh ça touche, ça touche, ça touche, ça touche. On va essayer d'en mettre tout le long. Ça va être plutôt génial. Donc hop, on remet un mortier. Voilà, on en met tout le long les gars. On va mettre du sort de rage. Ah malheureusement il touche. Petit enfoiré va. Petit enfoiré. Mais bon, c'est vraiment pas mal, hein, vous avez vu. C'est assez hallucinant comme délire. Au niveau des mortiers, c'est assez hallucinant. Donc hop, attendez, on va mettre ça là, voilà. Voilà, qu'est-ce que ça donne encore? Qu'est-ce que ça donne? Non, non, que dalle. Bon, par contre, c'est vraiment pas fait pour... Oh là là, c'est vraiment pas fait pour gagner, hein. Ouais, c'est parti, les gars. On est dans un mini spécial, donc on va essayer de mettre un maximum de sorcières. Ça pourrait être plutôt marrant, à mon avis. Après, j'en sais rien, peut-être que non, peut-être que oui. Donc on verra bien, donc on va attendre un petit peu quand même, voilà. En espérant qu'il me détruise pas ma tour avant que j'y arrive. Donc on va mettre de la sorcière. On va remettre de la sorcière. Voilà, hop là, nickel. Et donc normalement, hop, ça va. On va dire que ça va. On va dire que ça va, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Hop, on va mettre des squelettes. On va mettre un petit sort de... Non, pas encore. On va mettre des gobelins à lance. Hop, des gargouilles. Et puis on va attendre, on va encore en mettre. Donc hop, on met encore des sorcières. C'est parti les gars. Donc là on est déjà à 3 sorcières et que la 4ème arrive. Est-ce que la 4ème arrive? Eh ben oui, la 4ème sorcière les gars arrive. Oh bah ben alors là, on se fait mes plaisirs. Regardez-moi ça. En plus un petit sort de rage là. Boum, au dernier moment. Allez, c'est parti, voilà. Regardez-moi tout ce qui spawn et tout. Oh là là, regardez-moi ça. 3 sorcières, enfin 4 sorcières on va dire, mais 3 qui a été enragé. Bon, enragé un peu tard malheureusement, mais malgré tout. Alors en fait, je pense que quand même... ce camp d'entraînement, vraiment, c'est un foutage de gueule. Alors les mecs, ils se permettent de faire des tournois à 250 000 gemmes et puis ils sont même pas capables de faire un vrai camp d'entraînement. Sachez que j'ai fait plusieurs decks pour voir s'il changeait de troupes. Il a toujours les mêmes troupes. Le mec a toujours dragon, chevaucheur de cochon, PK, enfin mini PK. Il a aussi les petits squelettes, il a les flèches,
Il a un sort de foudre aussi, mais il l'utilise presque jamais. Voilà, donc c'est toujours les mêmes troupes qu'il a. Il a toujours les mêmes troupes, les mêmes troupes, les mêmes troupes. Et ça change jamais. T'as beau changer de troupe ou quoi que ce soit, il a toujours les mêmes troupes, le mec. Et je trouve ça vraiment abusé. Moi, je dis, on devrait pouvoir choisir nos troupes et tout ça. C'est vraiment un foutage de gueule. Ils ont un jeu qui leur rapporte mais des millions et des millions d'euros. Et puis, ils sont même pas foutus de faire un vrai camp d'entraînement. Enfin, c'est vraiment du foutage de gueule. Moi, c'est le genre de choses qui m'énervent. Ils se font du pognon comme des connards parce qu'ils font que de la merde au final. C'est que de la merde ce qu'ils font. Attends, t'as des troupes. Il faut je sais pas combien de troupes pour essayer d'améliorer machin. Ça coûte je sais pas combien juste pour améliorer une seule troupe. Enfin, c'est énorme. Si le jeu tu me dépenses dedans, ça coûte des milliers d'euros. C'est un truc de fou. Ils sont même pas capables de nous faire un vrai camp d'entraînement. Je suis désolé, mais bon, c'est vraiment du foutage de gueule. Supercell n'arrêtera jamais de toute façon de se foutre de notre gueule. C'est vrai que j'ai jamais vraiment joué au camp d'entraînement, mais maintenant que j'y joue, je me dis putain, en fait, ils se foutent de notre gueule, quoi. Hein. Certes, on n'y joue pas tout le temps, mais il y a des fois, quand même, si on y joue, on aimerait bien pouvoir jouer contre vraiment un vrai bot, tu vois. Là, on dirait c'est un handicapé qui joue avec nous. Ah ouais, désolé de l'expression, mais bon, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça, quoi. Putain, oh, je suis désolé, mais on a un bot, le gars, hop, il envoie des troupes comme ça, puis il sait même pas ce qu'il fait, le mec. Si, bon, il sait un minimum ce qu'il fait, mais il a toujours les mêmes troupes, donc voilà, quoi. Putain, je trouve ça complètement con. Eh, ils ont les capacités, hein, de pouvoir faire un bot qui envoie du lourd, tu vois. Hein, tu choisis tes troupes de l'adverse, tout ça. Ils ont une capacité. Mais attends, tu crois franchement qu'ils ont envie de bosser? Ben non, ils préfèrent rester dans leur canapé, tranquillou. Ils se font 2-3 designs pour faire des nouvelles troupes et c'est fini. Hop. Ah bah ouais, mais ils vont pas plus loin. Hein. Et hop, on enlève quelques pourcentages, on en rajoute et puis c'est fini. Hop là, on fait style qu'on fait quelque chose sur le jeu, mais au final, que dalle. Ils en branlent pas une. Ben non, putain, ils veulent du pognon, c'est tout. Mais si, ils travaillent. Pff, allez, tais-toi, ils préfèrent mieux que ça. Attends, un minimum de respect pour le joueur. Mais non, ils en ont pas de respect, de toute façon. Ça m'énerve, ces putains de créateurs, là. Puis, ils pensent qu'au pognon, là, putain. Ils penseraient pas qu'au pognon, ils en feraient un de camp d'entraînement de malade. Ils feraient des trucs de fou sur le jeu. Il y a tellement de possibilités de faire des trucs de malade que... Il y en a un volcan entier de trucs de malade à faire. Putain. Mais ils se bougent pas le cul, parce qu'ils en ont rien à foutre. Eux, tant qu'ils ont le pognon, ils sont contents. Bon, en attendant, moi, je vais aussi sur ce petit coup de gueule, hein, voilà. Putain, ce jeu, alors, je te jure, hein. Pff, c'est vraiment de la merde. Bon, continuez à jouer à votre jeu si vous avez envie. Si vous le trouvez si bien que ça. Enfin, bon, en attendant, moi, je vais aussi sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.